C'est d'argent. Tu nous laisses faire et tu ne nous connais pas. J'incendie ton village et les tiens avec. Tu vois, Kumalo, t'as le choix, mais réfléchis vite. C'est pas possible. Dispensaire d'Avdara à Bureau International de SOS Bout du Monde. Répondez. Ici Bureau International, je vous reçois 5 sur 5. Parlez. C'est très grave. Des centaines de vies sont en danger. J'ai beaucoup de malades. Le plus terrible, c'est ce que j'ai trouvé. Hé hey! Trouvez quoi? Répondez. Dispensaire d'Avdara. Répondez. Répondez, Moussa. Tu en sais beaucoup trop. Qui est là? Qu'est-ce qui se passe? Répondez! Moussa! Répondez! Tu le connaissais bien, ce médecin? Moussa? Bien sûr. Ça fait plusieurs années qu'il travaille avec le Bureau International. Il était affolé, il parlait de malades, de découvertes, de quelque chose de grave. Et puis la communication coupée. Plus rien. Sa radio est peut-être tombée en panne. La correspondante du Bureau International est formelle. Elle a entendu d'autres voix avant que ça ne coupe. Regardez, on y est. Ouais. Eh ben, c'était sûrement pas qu'une panne de radio. Oh là là! Qu'est-ce qui s'est passé ici? Quel massacre! Mais qui a pu faire ça? Fais voir la radio. Qu'est-ce qu'on peut faire, Doc? Il faut tout de suite rendre visite au chef du village. Il aura sûrement une explication. Moi, je reste ici pour la radio. Je vais t'aider, papa. Je sors. Ce champ de bataille me donne le bourdon. Allez, viens, Dazibao. Bonsoir, nous sommes médecins. Nous voudrions saluer votre chef. Mais Moussa ne s'est tout de même pas volatilisé. Même Zanzi, notre sage-femme, qui travaillait parfois avec lui, ne sait rien. Un matin, Moussa n'était plus là et le dispensaire était saccagé. Pourquoi et par qui? Mystère. Dans son message, il parlait de malades. Nous sommes tous malades. J'ai retrouvé les médicaments que Moussa nous distribuait. J'ai continué à en donner aux plus atteints. Oui, vous avez bien fait. Montrez-moi ces médicaments. Je vais les chercher. Je vous accompagne. Ensuite, j'irai ausculter le malade et donner les premiers soins. Mais il ne faut pas rester. Hein? Donnez les médicaments à Zanzi. Elle saura nous soigner et vous pourrez partir. Pourquoi partirions-nous?
Le malheur ne doit pas s'abattre une nouvelle fois sur le dispensaire. Ne vous inquiétez pas, on a l'habitude des situations difficiles. L'essentiel, c'est de soigner tout le monde et de retrouver Moussa. Nous aurons besoin de votre aide pour monter nos tentes et rénover le dispensaire. Je m'appelle Doc. Et toi? Safi. Je te fais mal, là, Safi? Détends-toi. Voilà, très bien. Dis-moi, Safi, est-ce que tu manges bien? Tu as faim? J'ai mal au ventre tout le temps. Elle a mal à la tête et sa peau la démange comme moi. Je vais m'occuper d'elle, de vous, de tous les malades. Tu vas guérir, Safi, je te le promets. Alors? Le traitement que vous a donné Moussa ne m'apprend rien. C'est juste contre la diarrhée. Et l'état de sa fille m'inquiète. Je commencerai les prises de sang dès qu'on aura monté la tente et les kits d'analyse. On installera les malades à la mission. Bien entendu, eau désinfectée et conserve pour tout le monde, d'accord? Allez, au boulot. Bon sang. Mike, regarde. Ouais, qu'est-ce qu'il y a? Il y a du monde au dispensaire. Et alors? Alors ça va énerver Léo. Ah bah ouais, c'est sûr. Hé, Dazibao, tu pourrais penser aux copains. Égoïste, va. Son pouls est à peine perceptible. Son cœur est faible. Il faut la réhydrater. Et les autres aussi. Moussa vous a appris à poser des perfusions, Zanzi. Alors il faut en mettre une à tous les malades. Et ceux qui sont moins atteints, comme Kumalo et moi? Je vous distribuerai des gélules pour stopper la diarrhée. C'est tout ce qu'on peut faire pour le moment. Il faut qu'on fasse des analyses. Je vais te faire une prise de sang. Ne t'inquiète pas, ça ne te fera pas de mal. Ils vont bien finir par découvrir quelque chose. Et là, le vieux va craquer. Vous passerez à l'action dès ce soir, compris? Tout va bien? Oui, on va réhydrater les plus malades. Il faut qu'ils guérissent avant que le doc découvre quelque chose. On devrait peut-être tout dire? Non, Zanzi. C'est trop risqué. Bon sang, il y a vraiment quelque chose qui m'échappe. Doc? Non, je n'y comprends rien. Ce n'est ni un virus, ni un microbe. C'est... Ah, je ne sais pas ce que c'est. Alors, je ne sais pas comment les soigner. Allez, viens manger. Tu es fatigué, ça fait des heures que tu cherches. Demain... J'irai prélever de la terre dans les cultures et de l'eau dans les puits. En les analysant, j'espère bien trouver quelques éléments qui... Hein? T'as vu quelque chose? Ben, non. Qui est là? Personne. Qu'est-ce que c'est que cette histoire? Ça n'a pas l'air d'être un signe de bienvenue. C'est un terrible avertissement. Laissez-nous des médicaments et partez. Sinon, il vous arrivera un grand malheur. Partir alors que tout le monde est malade? Je ne sais même pas quels médicaments peuvent vous soigner. Cela dit, j'aimerais bien savoir qui nous en veut. Yapo, nous montrons la garde cette nuit. Ok, Doc. Ça doit être le doc. Non,
C'est un camion. Qu'est-ce qu'on fait? Rien. Alors, vous êtes encore là? Kumalo ne vous a pas traduit notre petit message d'hier soir? Hein, Kumalo? Eh bien, je vais vous le traduire, moi. Du vent! Et presto! Non, mais qui vous êtes pour nous donner des ordres? Vois-tu, tu poses trop de questions. Il y a beaucoup de malades ici. Ils ont besoin de nous. Nous n'avons aucune raison de partir. Ah oui. Je vais vous en donner une de raison, moi. Oh. Vous êtes pas malade, non? Quelque chose va pas, l'ami? Déguerpissez rapidement. Non, on ne déguerpira pas, pigé. Nénuphar, tais-toi. On va quand même pas partir alors que ce village a besoin de nous. Moi, je vais t'apprendre à la boucler. Non! Tu devrais intervenir. J'espère avoir été clair. Où est la radio? Comme ça, pas question de prévenir la police. On va revenir. Il vaudrait mieux que vous ne soyez plus là. Ça va, Madame Tandou? Qu'est-ce qui se passe? Madame Tandou est blessée. Il y a deux types complètement dingues qui sont venus. Ils veulent qu'on parte. Il faut faire une radiographie. Je pense que c'est juste une entorse. On n'a pas pu te prévenir. Ils ont tiré dans la radio. Prenez celle de la Jeep et prévenez la police. Je vais analyser les prélèvements d'eau et de terre que j'ai ramenés. D'accord, mais venez vite. Terminé. Il n'y a qu'un policier disponible et il est à des kilomètres. Il vient quand il peut. Tu parles. Viens, on va prévenir les autres. C'est incroyable. Oh, j'aurais dû m'en douter. Tu as déjà trouvé quelque chose? Oui, l'origine de la maladie. L'eau et la terre sont empoisonnées par les déchets toxiques. C'est criminel. Je ne sais pas d'où ils viennent, mais je vais déjà pouvoir commencer un vrai traitement. Ce que dit le médecin est vrai, je ne peux plus reculer. Je m'en veux tellement d'avoir été aussi aveugle qu'une jeune gazelle qui se jette dans la gueule du lion. Ils sont dangereux, n'y va pas. Cherchez partout, mais qu'est-ce que tu fais ici? Démarre! Il faut aller dans les montagnes, c'est trop grave! Dans les montagnes? Pourquoi? Là, regarde! C'est leur camion! Suivons-le! Que Kumalo est de mèche avec eux? On va vite le savoir. Arrête, ils sont là!
sais que c'est fou. Oh, ils ont laissé leurs armes. Ils sont sûrement pas loin. Allons voir dans la grotte. Je vais tout leur dire si vous ne rembarquez pas tout ça immédiatement. Ça, c'est ce que tu crois. D'abord, tu es notre complice, puisque tu as pris l'argent. Ensuite, tu sais ce qui arrivera à ton village si tu parles. Votre argent, on n'en veut plus. On voulait s'en servir pour construire une école. Mais si votre poison nous tue tous, c'est un cimetière qu'il nous faudra. De toute façon, vous êtes coincés. Le docteur fait des analyses. Il va tout découvrir. Alors tu sais ce qui va arriver à ton village et à Stobib ? Rien. Vous ne nous ferez rien. On se battra. C'est ça. Et tu voudrais nous effrayer avec tes sagas et tes peintures de guerre. Tu es vraiment stupide, Malo. Tu pensais peut-être que tu allais t'en tirer aussi facilement. Cette fois... Qu'est-ce que tu fais? Là, le camion! Sale morveux, ça, ils vont nous le payer très cher. En route. Ouais, ah ouais. Ils ont enlevé le médecin, saccagé le dispensaire, et après ils nous ont menacés. Ils voulaient réduire le village en poussière, faire du mal aux enfants, si on parlait de leurs allées et venues dans les montagnes. C'est pour ça qu'on ne vous a rien dit. Surtout qu'on ne se doutait pas que c'était ça qui nous rendait malades. Ils m'ont donné de l'argent pour construire une école. C'était un moyen de nous impliquer dans leur trafic. Vous avez bien fait d'accepter leur marché. Ils vous auraient tué sans hésiter. Ils vont revenir, c'est sûr. En tout cas, on n'a plus le choix. Il nous faut absolument protéger le village et le dispensaire. Kumalo n'a qu'à organiser la défense du village. Nous, on s'occupe du dispensaire. Assez rigolé. On fout le feu au dispensaire, ensuite au village. Comme ça, plus de témoins. Le vieux aurait mieux fait de construire son école tranquillement. Ouais. Les voilà. Bon, je vais prévenir Kumalo. Soyez prudente. Sortez tous, ou vous allez griller comme des poulets. Je vais me gêner. Sortez tous. Je ne le répéterai pas. C'est vous qui l'aurez voulu.
Laissez-moi. Laissez-les tranquilles et arrêtez cette folie. Ils n'ont rien à voir dans cette affaire. Ah ouais. Oh, Nénuphar, tu m'as fait tellement peur. Ben, moi aussi. Il a une sacrée droite, ce bigorneau. Mais comment ces déchets peuvent empoisonner la terre et l'eau? Une fois déversés sur le sol, ils s'y infiltrent et empoisonnent les nappes d'eau souterraines. Certaines entreprises sont prêtes à tout pour se débarrasser de ces poisons. Elles paient de petits truands pour les faire disparaître. Qu'allez-vous faire de ces fûts? Ils vont dans une usine de retraitement. Et notre eau, nos cultures? Avec les filtres de traitement, votre région sera bientôt assainie. Alors, Nénuphar? Il faut me pardonner. J'ai vraiment cru que tu étais avec eux. Je t'ai même suivi. Ça, je le sais. Parce que comme pisteur, tu fais autant de bruit qu'un troupeau d'éléphants en fuite. Si tu avais abandonné ma piste, je serais mort aujourd'hui. Alors, merci. Ne t'en fais pas. Bientôt l'eau du puits sera potable et vous pourrez manger ce que vous plantez. Et Moussa, notre médecin, il va revenir? La police l'a retrouvé. Il sera ici dans quelques jours. Awa! Oui? Nénuphar, je viens vous aider. Kumalo m'a fabriqué des béquilles pour que je cours comme une gazelle. En espérant que vous guérirez très vite. Ne vous en faites pas, rien n'arrête Madame Tandou. Non, rien. Mais je ne suis pas la seule.